Ouais, il fallait gagner. On sait que là, il nous restait 6 matchs à domicile. On sait que si on ne veut pas trop regarder derrière et se faire peur, bah, il faut gagner les matchs. Voilà, ce soir, on a gagné. Certes, ce n'est pas le plus beau match dans le contenu, ni dans l'intensité, je pense. Après, on a quelques occasions en première mi-temps qui peuvent aller au bout, et je pense que ça aurait été un autre match. Si on marque ces deux essais sur la mêlée, sur le petit en avant, c'est un autre match. Et on n'en parle plus. Voilà, après, deuxième mi-temps, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on prend zéro pénalité. On met quand même, je crois, 12 points au pied. Donc, les pénalités, il faut aller les chercher. Elles n'arrivent pas toutes seules. Et puis, voilà, ce soir, on va savourer à 4 points. Et eux, ils repartent à zéro. C'est l'essentiel du soir. C'est la pression des derniers résultats en fait, qui pèse. Bien sûr, quand on joue, quand on est en haut de tableau, ou alors que tous les week-ends, il faut se battre pour être, on va dire, dans le ventre mou et pas regarder derrière pour pas s'embêter le week-end d'après. Forcément qu'il y a une petite pression, tant que mathématiquement rien n'est figé, il y a toujours cette pression. D'autant plus qu'on l'a à domicile, parce qu'on a déjà perdu 3 fois et on sait que les matchs à domicile sont importants. Et puis surtout au vu des matchs qui nous restent à l'extérieur, avec mais là Perpignan la semaine prochaine, Colomiers en suivant, après on va à Bayonne, on va à Biarritz, on va à Grenoble. Donc, on va dire que les matchs à l'extérieur, bien sûr qu'on ne se déplace jamais pour perdre, mais on est face à des concurrents, on est face à des prétendants aux 6 premières places. À Perpignan et à Colomiers, cette pression, elle a baissé un peu. J'espère qu'à Perpignan et Colomiers, on jouera plus libéré. Sincèrement, je pense que nous, on a rien à perdre là-bas, et au contraire, on a tout à y gagner. Après, on sait que dans le rugby, aucun match ne se joue d'avant. Il y a la météo qui compte pour beaucoup. Les joueurs, il suffit qu'une des équipes prenne l'autre un peu de haut et tout est remis à zéro. Donc voilà, on va y aller. Nous, on aura sans pression et tout à y gagner.